Chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala a créé l'être humain avec plusieurs instincts. Et ces instincts sont très nombreux chez l'être humain, beaucoup plus nombreux que les instincts qu'on trouve chez les animaux. Nous partageons parfois les mêmes instincts que les animaux. L'instinct sexuel, l'instinct alimentaire, l'instinct de défense, l'instinct de vengeance. Mais nous avons certains instincts qui nous caractérisent par rapport aux animaux. L'instinct de la course derrière la richesse. L'instinct d'être célèbre, l'instinct d'être applaudi par les autres. Donc nous avons certains instincts qui n'existent pas chez les animaux. Sauf que, qu'à la différence des animaux, Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné une raison. Et cette raison est censée mettre l'équilibre. Elle est censée guider les instincts. Elle est censée canaliser les instincts. Parce que les instincts-là, si tu ne les canalises pas, ils peuvent te pousser à certains comportements néfastes pour ta vie sur terre, néfastes à l'échelle individuelle et néfastes à l'échelle collective. Donc voilà pourquoi il nous a donné cette raison, pour qu'elle fasse le tri, pour qu'elle mette un frein aux instincts dans certains domaines. Et à la différence de certaines religions, ou des suiveurs de certaines religions, l'islam n'a pas demandé à ce qu'on étouffe certains instincts, à ce qu'on les réprime, qu'ils ne s'expriment pas. Non, vous avez le droit d'exprimer vos instincts, vous avez le droit d'écouter vos instincts, mais jusqu'à une certaine mesure, jusqu'à un certain seuil à partir duquel il y a des dégâts. Donc dans ce cas-là, vous ne devez pas dépasser ce seuil. Mais le problème, c'est que la raison humaine n'a pas toute la capacité de contrôler l'instinct, parce que l'instinct lui-même, il dicte à la raison comment elle doit se comporter. Et c'est pour ça que tu trouves certaines personnes qui font des choses qui sont irraisonnables. Pourquoi ? Sous l'impulsion de leurs instincts. Et ils commencent à considérer le bon comme mauvais et le mauvais comme bon. Pourquoi ? Parce que c'est l'instinct qui a pris les rênes de pouvoir dans leur existence. Et de là, la raison, donc elle devient caduque. Ou bien la raison, elle falsifie ce pourquoi elle a été créée. D'où l'importance de la révélation. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous révèle des décrets, nous révèle des conseils, nous révèle des orientations. Pourquoi ? C'est pour alimenter cette raison. C'est lui le créateur de l'être humain. Et il est plus à même de savoir les secrets inhérents à cet être humain. Ce qui est bon pour lui, ce qui est mauvais pour lui. Donc s'il y a quelqu'un qui peut bien guider l'être humain et lui montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, c'est bel et bien Allah, tabaraka wa ta'ala, dont la science a englobé tout et dont la création, justement, à surplomber le tout. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous dit « Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir » Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur. Donc la révélation est venue pour cet objectif-là. Le Coran, la hikmah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour cet objectif-là, pour alimenter la raison. Mais tout en sachant que la passion ne va pas nous laisser faire et nos instincts ne vont pas nous laisser faire, donc il a fallu encourager le croyant à prendre en compte cette révélation et à l'utiliser contre l'instinct, pour, bon, ce n'est pas contre, ce n'est pas une guerre, mais seulement pour limiter et contrôler l'instinct, et mettre en garde l'être humain contre certaines punitions divines si jamais il n'écoute pas cette révélation. C'est ce qu'on appelle le système de tarhib et at-tarhib. Mettre en garde et encourager. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé dans le hadith que nous sommes toujours en train de commenter. Lorsqu'il nous a dit « Garantissez-moi de votre part six choses et je vous garantirai le paradis. » Là, il est en train de nous encourager. Vous voulez le paradis ? Vous voulez concourir vers le paradis ? Ben, garantissez-moi six choses. Et ces six choses dont on a détaillé les trois premiers, ils ont toujours pour objectif de contrôler un instinct bien particulier ou un groupe d'instincts bien particulier chez l'être humain. Ils nous mettent le cadre. Et si tu respectes ce cadre-là, c'est que tu mènes très bien ta vie sans aucun dégât, ni à ton échelle,
ni à l'échelle de la communauté et la société dans laquelle tu évolues sur cette terre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage. Vous voulez le paradis, garantissez-moi ces six choses. Donc faites travailler votre raisonnement. Faites travailler la raison, l'outil de raison que Allah Azza wa Jal vous a donné. Et je vous encourage à le faire pour vous garantir le paradis. Sinon, parfois, il met en garde, bien entendu, contre la punition de Allah Azza wa Jal. Laquelle punition qui peut surgir ici-bas ou même, ou bien entendu, dans l'au-delà. Et parmi ces instincts qui sont très forts, ces instincts qui contrôlent le comportement et les attitudes des êtres humains, il y a l'instinct sexuel. C'est un instinct qui parfois dicte une grande partie, une grande part des choix de notre vie. Ton choix va dépendre de cet instinct. Le partenaire que je vais choisir, pourquoi je vais travailler, pourquoi je veux m'habiller de cette manière, pourquoi je veux m'embellir de cette manière. C'est parfois l'instinct sexuel qui prend les rênes chez nous et qui commence à nous téléguider comme il le veut. Et nous, on devient comme des proies, faciles à cet instinct. C'est lui qui nous guide. Et on ne sait pas vers où on va. Et c'est pour cela que le prophète, et parfois on commet des dégâts. On entend par exemple des agressions sexuelles, de la pédophilie et des choses abominables que la raison ne peut pas accepter et qu'aucune coutume ne peut accepter dans le monde. Avec énormément de dégâts, avec énormément de victimes, ça est là. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, parmi les six conditions qu'il faut respecter pour que je vous garantisse le paradis, qu'est-ce qu'il nous dit ? « Ihfadhu furujakum wa ruddu absarakum » Préservez votre sexe contre ce qui est interdit et baissez le regard. Lorsqu'il nous dit cela, voilà, il nous donne justement un contrôle. Contrôlez-vous contrôlez votre instinct sexuel. Il ne nous dit pas qu'il faut complètement étouffer l'instinct sexuel, contrairement à d'autres philosophies ou à d'autres religions. Il ne demande pas de l'étouffer. Tu peux être proche de Dieu sans étouffer ton instinct sexuel. Tu peux assouvir tes besoins sexuels, mais dans un cadre précis, qui est le cadre de l'institution du mariage. Lorsque tu es dans ce cadre-là, et que tu ne dépasses pas les limites, tu es dans l'équilibre. Dès que tu dépasses ce cadre-là, tu tombes dans des relations illicites, dans la fornication, dans l'adultère, c'est que forcément tu fais d'une manière ou d'une autre des victimes. Soit tu es victime, soit tu mets une victime, tu provoques, tu causes l'existence d'une victime dans la société. Que tu le vois ou tu ne le vois pas, sur l'immédiat ou sur le moyen terme ou sur le long terme. Et c'est pour cela qu'on voit malheureusement beaucoup de drames dans nos sociétés actuelles et dans tous les pays. Je ne parle pas particulièrement des pays non-musulmans, mais un peu partout. Parce que l'être humain reste toujours l'être humain. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal, en vantant le mérite de ceux qui ont gagné ici-bas et dans le-delà, il dit, ou bien il cite certaines de leurs caractéristiques, il dit « ceux qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur conjoint ou les esclaves qu'ils possèdent, car cela vraiment, c'est-à-dire, car là, vraiment, on ne peut les blâmer, alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont les transgresseurs. » C'est le cadre de mariage. Ou bien entendu, lorsqu'il y avait l'esclavage à l'époque, et comme vous le savez, l'islam a tout fait pour anéantir l'esclavagisme en peu de temps, donc à l'époque, c'était permis d'avoir un rapport avec sa propre esclave, mais ça, avec le temps, bien entendu, l'esclavagisme a été anéanti par l'islam et avec les décrets de l'islam. Mais il faut voir justement ce côté-là, selon la situation de l'époque, pour qu'on ne tombe pas dans une lecture qui est biaisée. Chers frères et sœurs, préserver son sexe de ce qui est illicite est considéré comme une action bénie et récompensée par Allah Azza wa Jal. Parce que les bonnes actions ne consistent pas seulement à un acte que tu accomplis. Même un mauvais acte dont tu te préserves est considéré comme un bon acte qui est récompensé par Allah Azza wa Jal. Et lorsque le musulman ou la musulmane se préserve de ce qui est interdit, tout ce qui n'est pas dans le cadre du mariage, Allah Azza wa Jal, entre autres, il lui pardonne beaucoup de ses péchés. N'est-ce pas Allah Azza wa Jal qui nous dit dans le Coran, les gardiens de leur chasteté et gardiennes, les invocateurs, souvent Allah et invocatrice, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. N'est-ce pas Allah Azza wa Jal qui dit ce qui signifie, si vous évitez les grands péchés que je vous interdis, je vous pardonnerai vos péchés et je vous ferai entrer donc au paradis.
Voilà, donc il suffit de vous préserver et je vous donne la récompense. Non seulement cela, c'est que le fait de se préserver de ce qui est interdit en matière d'instinct sexuel permet aux musulmans d'éviter certaines épreuves dures. Même lorsqu'ils tombent dans l'épreuve, Allah Azza wa Jal lui donne une bonne issue. Et vous connaissez toutes et tous l'histoire rapportée par Muslim sur le que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a narré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y avait trois personnes qui marchaient quand la pluie les a surpris et là ils étaient obligés de s'abriter à l'intérieur d'une grotte. Malheureusement, il y a un grand rocher qui est tombé et qui a obturé l'entrée de la grotte. Et ils ne pouvaient pas faire bouger le rocher. Aucun moyen de bouger le rocher pour s'en sortir. Et c'est là donc qu'ils ont eu l'idée, invoquant, que chacun de nous invoque Allah Azza wa Jal, en mettant en avant la meilleure œuvre sincère qu'il a accomplie et par laquelle il ne voulait que la face d'Allah Azza wa Jal. Et donc chacun a essayé de chercher quelle est l'œuvre extraordinaire que j'ai accomplie et par laquelle je peux invoquer mon Seigneur afin de nous délivrer de cette difficulté. Et donc un parmi eux, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, tu sais que j'avais une cousine, la fille de mon oncle, tu sais que j'avais une cousine que je désirais fortement. Je lui ai demandé de céder à mes avances. Et il a toujours refusé. Jusqu'au jour où elle était dans le besoin, elle était dans le besoin, donc elle avait un besoin financier, et là elle m'a dit, si tu veux donc avoir un rapport avec moi, il faut que tu me ramènes de l'argent. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 100 dinars. Il lui a dit, tu me ramènes 100 dinars et là, je me cède à toi. Donc il a dit, j'ai pris le temps et avec difficulté, j'ai réuni les 100 dinars. Et donc je lui ai ramené. Et une fois, j'étais entre ses cuisses. Donc ça y est, là vous voyez que le désir et l'instinct, il est à son maximum. Lorsque j'étais entre ses cuisses, elle m'a dit, Ya Abdallah, crains Allah. Ne rompt pas le cachet, ça veut dire l'hymen, ne rompt pas le cachet que dans le cadre légitime, que dans le cadre du mariage, de l'institution du mariage. Ne continue pas. Parce qu'elle aussi, il a eu des remords. Pour l'argent, je vais céder mon honneur à cet homme. Donc il lui a dit, ne le fais pas. Moi, j'étais obligé de le faire sous la contrainte de la pauvreté et du besoin financier. Et là, il a dit, Seigneur, je me suis alors levé et je l'ai laissé. Oh Allah, si tu sais que j'ai fait cela uniquement dans l'espoir de te voir, c'est-à-dire fils abilique, de te voir, fais-nous une ouverture et le rocher a bougé. Donc le rocher a bougé trois fois, chaque fois que l'un d'eux a fait une invocation, en mettant en avant une bonne œuvre qu'il a accomplie, Allah Azza wa Jal a fait bouger. Donc c'est le fait que le rocher bouge, ça c'est un acte miraculeux. Autrement dit, Allah Azza wa Jal les a sortis de cette difficulté avec des moyens miraculeux. C'est-à-dire avec des moyens auxquels on n'aurait jamais pu penser. Et si c'était le cas de ces trois-là, ça peut être le cas de n'importe quel croyant qui, à des moments difficiles, a accompli un acte de dévotion, un acte de soumission, un acte d'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala par crainte. Et donc cet acte-là, Allah Azza wa Jalla, jamais il ne l'oubliera. Et Allah Azza wa Jalla, avec cet acte-là, il peut lui résoudre des problèmes dans lequel il peut s'enfoncer. Et Dieu sait combien on affronte de problèmes dans nos vies. Et parmi les mérites de préserver son sexe de ce qui est interdit, c'est qu'Allah Azza wa Jal met dans l'ombre de son trône la personne qui s'est préservée justement. Le hadith qu'a cité le Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cette catégorie de personnes seront dans l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, c'est-à-dire de son trône ». Et parmi ces personnes-là, ou cette catégorie de personnes, il a cité un homme qui a été séduit par une femme qui est belle et qui a de la notoriété. Et malgré ça, il a dit « Inni akhafullah »« Je crains mon Seigneur ». Avec cette phrase-là, cette abstinence, à un moment d'un fort désir, donc cette parole-là lui a fait valoir le fait d'être protégé dans l'ombre de Dieu le jour du jugement. Et nous connaissons tous l'histoire de Youssouf alayhi salam, lorsqu'il était la femme de Al-Aziz, Zuleika, qu'il avait reçue dans sa maison, qui essaya de le séduire. Elle ferma bien les portes et dit, viens, je suis prête pour toi. Il dit, qu'Allah me protège. C'est mon maître, c'est-à-dire ton mari, c'est mon maître qui m'a accordé
un bon asile. Et là, il lui a parlé avec son logiciel. Lui, lorsqu'il a dit que Dieu me préserve, là, il pensait « Allah Azza wa Jalla, je ne veux pas connaître le haram. » Parce que c'est interdit. Mais là, il lui a fait avancer une raison qu'elle comprendrait. Il a dit « Ton mari m'a bien accueilli et tout, je ne peux pas le trahir. » Mais lui, c'est ça la crainte d'Allah Azza wa Jalla qui l'a empêché d'aller jusqu'au bout. « C'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. » Et même les femmes, lorsqu'ils ont essayé de les séduire et tout, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Oh mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi il m'invite. » La prison est préférable à ce à quoi elle m'invite. Youssef alayhi salam, Joseph, que le salut de Dieu soit sur lui, est un exemple pour notre jeunesse. Un exemple pour notre jeunesse qui doit observer cette chasteté et ce respect d'honneur jusqu'au bout et ne satisfaire ses désirs que dans le cadre que Allah Azza wa Jalla a mis, le cadre licite qu'Allah Azza wa Jalla a instauré, en l'occurrence le cadre du mariage. Chers frères, de ce qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une autre condition, c'est de baisser de son regard. Baisser de son regard. C'est la cinquième condition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citée pour que l'on puisse mériter le paradis. Pourquoi le regard? Parce que le regard, c'est l'ambassadeur du cœur, c'est l'ambassadeur de l'instinct. C'est lui qui réveille l'instinct. Lorsque tu vois quelque chose qui va allumer ton instinct, donc là, forcément, tu risques de ne pas te contrôler. Et Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, dit aux croyants de baisser de leur regard et de garder leur chasteté. Vous voyez, il a commencé par le regard pour arriver à la chasteté. Parce que ça, c'est un moyen qui mène vers, justement, ce qui est interdit. Dit aux croyants de baisser de leur regard et de garder leur chasteté, c'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dit aux croyantes de baisser de leur regard et de garder leur chasteté. Et Dieu sait que nous sommes dans une époque où il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas voir, qu'il ne faut pas regarder, qu'il s'agisse de photos, qu'il s'agisse de vidéos, qu'il s'agisse de nudité. Donc le musulman doit se préserver pour préserver son intégrité, pour préserver sa chasteté, pour préserver tout simplement sa religiosité et pour mériter l'agrément de Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi à ce propos, méfiez-vous de cette pratique qui consiste à vous asseoir dans les rues, à vous asseoir dans les entrées, à vous asseoir dans les rues, à vous asseoir dans les cafés, et ainsi de suite. Méfiez-vous de cette pratique qui consiste à vous asseoir dans les rues. Et ils ont répondu, ô messager d'Allah, nous pouvons nous en passer car c'est là pour nous l'occasion de parler entre nous. C'est le seul moyen où on peut se voir et parler entre nous. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, si vous tenez absolument à cette pratique, d'accord, si vous tenez, donc il n'y a pas d'autre moyen, si vous tenez vraiment absolument à cette pratique, donnez alors à la rue son droit. Donnez à la rue son droit. Et les compagnons de s'interroger, et c'est quoi le droit de la rue? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, baissez le regard, s'abstenir de faire du tort. Ne faites pas du tort aux gens. S'abstenir du faire du tort, répondre aux salutations, saluer les gens et répondre à leurs salutations, ordonner le convenable et interdire le blâmable. Tels sont les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, pour orienter et pour bien guider et pour canaliser notre instinct sexuel afin qu'il ne nous mène pas vers des choses qui ne sont pas acceptées par notre religion et qui ne sont pas acceptées par toutes les cultures du monde qui existent.